Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face, moi c'est Maxime et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai filmé tous les plans que vous venez tout juste de voir, c'est parti. Ok. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le format B-roll, c'est un format qui est ultra populaire à l'étranger, sauf chez nous. Comme d'hab, on est toujours à la bourre. En gros, c'est de filmer un produit ou un service. La vidéo doit durer entre 30 secondes et 1 minute. Et le but, c'est de faire un montage ultra dynamique. Avant de vous montrer comment j'ai filmé chaque plan, je vous propose de poser les bases. Pour faire ce genre de vidéo, tu as besoin d'une caméra et c'est tout. Pas de stabilisateur, pas de poignée, pas de moniteur et pas d'autofocus. Ok, on est prêt. Je vais filmer ma copine qui va faire une pizza parce que moi, si je la fais, ça va ressembler à ça. Et je préfère pas. Il y a 23 plans dans cette vidéo, je vais pas vous les montrer un par un, je préfère vous montrer ceux qui sont le plus intéressants. C'est parti. Ok, donc le premier plan, qui est le plan d'intro, c'est de prendre la farine et de la faire jeter en l'air. 3, 2, 1, go. Oh putain, je t'ai pas du tout suivi. Un des trucs qui est super important, c'est de guider la personne que vous filmez parce qu'elle, elle a aucune idée du plan que vous voulez faire. Donc montrez-lui avant ce que vous attendez d'elle ou alors donnez-lui les indications. Ce que tu vas faire, c'est que genre tu vas passer de là, enfin genre tu vas avancer genre sur 30 cm, 1 mètre, tu te mets devant, tu prends la boule et tu la jettes en l'air et tu la laisses retomber. Également, le plus important, c'est de vous synchroniser avec la personne que vous filmez. Donc mettez-vous un code sur la manière de compter pour que vous soyez synchronisé. Toi, toi aussi, tu fais 1, 2, 3 et à 3, tu fais un 3, 2, 1, go et à go, tu lances, ok? Sur ce plan-là, j'ai mis un post-it sur la table. C'est une indication pour savoir à quel moment mon sujet sera net. Et en gros, j'ai plus qu'à faire le mouvement et à m'arrêter quand je vois la fin du post-it. Ce plan-là a été assez difficile à réaliser parce que je devais toujours garder au milieu de l'image la patte. Sauf qu'avec le mouvement, bah, c'était beaucoup plus dur que ce que je croyais. Ce plan nous a clairement pris au moins 20 minutes, on a dû faire une trentaine de prises, mais on a finalement réussi à en avoir un pas trop mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Alors là, le prochain, c'est avec le rouleau. En gros, enfin, tu roules la patte et moi, je suis juste au mouvement de faire... 1, 2, 3. Tu vas faire, c'est que là, en gros, toi, tu vas être là, tu vas venir chercher la truc et tu vas te la passer comme ça. Ok. Le plan de la bouteille de la sauce tomate est pas difficile en soi. La difficulté, c'est juste de suivre le mouvement, donc au début de la main, puis de la bouteille. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre sujet doit toujours être au milieu de l'image, ou en tout cas le mieux possible. Mais en temps réel, ça va beaucoup plus vite, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur d'avoir le sujet en plein milieu. 1, 2, 3. Ok, t'es prête? T'es un peu loin là. Ok. 1, 2, 3. Bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Tu vas essayer de faire ce cercle-là. Petit. S'il te plaît. Prête. 1, 2, 3. Tu vas faire comme ça, hop, suivre ta main et le faire rouler. Ok, donc le mouvement est là, le truc il est là, tu fais ça, hop, hop, 1, 2, 3, ouf, tu as été bien. Ce qui est dur dans ce plan avec le couteau, c'est d'avoir le focus exactement sur le couteau quand il est en l'air. Bon, visiblement, j'ai pas trop réussi, mais vu qu'il y a de la vitesse dans le mouvement, ça se voit pas trop et c'est pas dérangeant. Au pire, toi, tu t'arrêtes en l'air. 1, 2, 3. Le plan où le poivron est coupé, c'était clairement impossible de couper d'un trait le poivron. Du coup, on l'avait déjà pré-découpé avant de le filmer et comme ça, le couteau avait juste à passer entre les deux et ça faisait le tricks. Alors, j'aime beaucoup ce plan avec la mozzarella qui saute en l'air parce que j'avais déjà cette transition dans la tête.
Je voulais que quand la mozzarella retombe, elle soit déjà découpée. Bien évidemment, quand on a filmé, la mozzarella est retombée sur le plan de travail. Et le plan d'après, on avait déjà découpé la mozzarella et en fait, on l'a juste lâchée pour que ça tombe sur le plan de travail. Et quand on accélère tout ça en post-production, ça donne ça. Ce plan-là est intéressant parce que le début est flou et la fin est nette. Il y a un truc qui se passe dans notre cerveau quand notre objet n'est pas focus et qu'il devient, je sais pas, c'est chimique, mais ça fait quelque chose. Ok, alors ce plan-là, je l'avais déjà préparé. Je savais que je voulais avoir deux plans qui tournent. C'est une transition qui est assez classique, mais qui fait toujours son effet. Le mouvement est très simple, c'est de partir à la verticale, puis monter, puis redescendre à la verticale. Tu fais ça sur deux plans et après tu mixes le tout en post-production et ça donne ça. Le plan du fromage râpé, c'est un plan qui me plaît beaucoup parce que encore une fois, le sujet est pas net au début et il le devient après et je sais pas, moi ça fait quelque chose. Ok, est-ce que tu peux aller là où tu vas le faire, donc en haut, à ta tête quasiment? Ah, tu vas être comme ça? Tu peux pas être les deux sur le même étage? Ça va pas tomber. Pour que râper un fromage, il faut que ça tombe, sinon il ne peut pas être comme ça. Ça okay. Va tomber où, tu crois? Ok. 3, 2, 1, go. Et ce plan-là, clairement, je me suis fait un kiff. J'ai dû voir ça dans une des vidéos, je m'en souviens pas exactement laquelle. Mais ça fait comme si le fromage sortait de ton appareil et je trouve le plan plutôt cool. Le dernier plan qui est le plan final, j'ai pas voulu montrer le moment où la pizza est en train de cuire parce que je trouve ça pas hyper esthétique. Pareil sur ce plan-là, j'ai voulu que ça soit un petit peu flou au début et que la pizza devienne de plus en plus nette. Pour que la pizza soit bien inclinée et qu'on la voit bien à la caméra, on a mis un espèce de petit bocal juste en dessous de la planche. Et comme ça, ça permet de bien montrer la pizza sur le pack shot final. Pour réaliser ce type de vidéo, je vais vous donner des tips qui vont vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Tips numéro 1, quand vous tenez votre caméra, il est bien important de la prendre à deux mains des deux côtés pour être le plus stable possible. Tips numéro 2, refaites 2 à 3 fois chaque plan, même si vous pensez que celui-là est bon. Tips numéro 3, si vous avez la possibilité de regarder vos rushs sur votre ordinateur juste après avoir filmé chaque plan, faites-le. Parce que sur votre écran de votre boîtier, vous n'allez pas voir grand-chose et de temps en temps, vous allez louper certains détails et même la mise au point. Tips numéro 4, et ça c'est surtout pour des b-rolls alimentaires, pensez à prédécouper vos ingrédients, comme ça, ça va vous éviter de charcuter votre ingrédient et ça sera plus facile pour la personne que vous filmez. Tips numéro 5 et dernier, si tu veux être sûr de ta mise au point, tu peux commencer à shooter par la fin de ton plan, puis reculer et ensuite, en post-production, inverser la vitesse. Pour filmer ce style de vidéo, tu dois forcément être en réglage manuel et tu dois faire quelques réglages. Le premier, c'est de filmer en slow motion, donc ça soit entre 90 et 120 images par seconde. Le but est de pouvoir ralentir ou accélérer les plans en post-production. En plus de ça, le fait de filmer en slow motion, ça va permettre de stabiliser un peu plus tes plans. Vu qu'on filme à la main, le slow motion va réduire tes mouvements et adoucir tes plans. Le deuxième, c'est de filmer obligatoirement en manuel focus. Pourquoi? Parce que ton autofocus va gérer la mise au point automatiquement et ça va se voir à l'image. Ensuite, le shutter, il doit toujours être au double du nombre d'images par seconde à laquelle vous filmez. Donc si vous filmez à 100 images par seconde, votre shutter doit être à 200. L'intérêt du shutter, c'est d'avoir du flou de mouvement dans vos plans et ça va surtout vous aider dans vos transitions pour avoir un flou directionnel. Dernier réglage, la balance des blancs. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet où j'explique exactement comment ça fonctionne. En fonction de la lumière que vous utilisez, que ce soit de la lumière d'intérieur ou encore une lampe LED, vous devez régler votre balance des blancs pour que vos couleurs soient nickel. Donc moi, j'ai filmé cette vidéo avec mon Sony A7 III plus mon Tamron 28-75 qui ouvre à 2.8. Pour ce genre de vidéo, c'est mieux d'avoir une focale avec une plus grande ouverture comme 1.4 ou 1.8. Mais bon, j'essaie de me persuader que je peux tout faire avec un seul objectif, donc je m'y tiens. C'est surtout que j'ai pas de thune. Avant de filmer la vidéo, je prépare exactement tous les plans que je vais filmer. Je les ai sur mon téléphone, comme ça, ça me permet de regarder si j'ai pas oublié un plan. C'est un peu comme une storyboard, mais plutôt sous forme de liste. Et ça me permet surtout de pas me tromper dans les transitions. Voilà, on a vu pas mal d'aspects. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Si je vois que cette vidéo vous a plu, je pense que je ferai une vidéo où je montre tout le montage sur mon ordinateur. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce sujet t'intéresse. Je te dis à la prochaine, la bise.